Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 23 de Mario Galaxy. On continue notre let's play, donc dans l'épisode précédent on avait un petit peu exploré la planète de... Je crois le nom c'est Bois d'automne, un truc comme ça. Voilà, on avait récupéré 3 étoiles, dont une étoile secrète, donc c'était plutôt cool. Et du coup on n'en a pas encore fini avec cette planète, donc on va encore y aller, tout simplement. Comme ça, au moins, ce sera fait. Donc, c'est parti. C'est parti. Alors. Voilà, donc il nous en reste une. Hop, l'oppressant chemin forestier. Ok. Ah ouais, ça, je me rappelle ça. Ça, je me rappelle. Le petit combat de boss. Ok. Alors. Bon, du coup, là, on peut pas y aller. Il faut être en abeille. Pareil pour le nuage. Du coup... Comment vais-je faire? Peut-être... Ah bah oui. C'est là en fait. Tout simplement. Bon, en vrai, au pire, on peut faire ça. Ok. Est-ce qu'on peut prendre les... Wow. Ouais, giga raccourci. Ah oui, non, mais sauf que là, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien, là, ce que je viens de faire. C'est plus le chemin quoi. Avant ça servait, mais là. Et d'ailleurs, les anciennes planètes, petites planètes autour et tout, ça, elles restent encore. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt stylé. Enfin, c'est sympa. Quoi. Voilà. Petit détail. Ok. Directement. On prend des giga raccourcis, mais... Aïe. C'est terrible. C'est terrible. En vrai, c'est terrible. Toutes les zones avec les nuages et tout ça en passe. C'est quand même assez fort en vrai. Voilà, faut pas se rater quoi. Voilà. Ok. Alors, il va falloir faire gaffe parce qu'il y a un petit nuage qui se promène. Ouais. Voilà, parfait. Ah oui, il y a deux nuages, ok, d'accord. J'avais pas compris.
Attends, il y en a qu'un ou il y en a deux? Let's go. Let's go, le combat de boss. De mémoire, il était pas très dur. Je vais me prendre l'eau. Aïe aïe. Let's go. Voilà. Là ça va être chaud. Allez, les bulles disparaissent en fait. Et oui, évidemment. Hop, là il est énervé. Pas très content dans la vie. Voilà, tout simplement. C'était pas très dur, hein. On va pas se mentir. C'était vraiment pas dur quoi. Alors, attendez, parce que là j'ai reçu un message, je suis désolé. J'ai reçu un message de la plus haute importance. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est juste un vieux message. Ouais. J'ai du mal à parler, hein. J'ai remarqué là. C'est difficile. Bref. Alors, du coup, voulez-vous sauvegarder? Oui. Ça serait bien. Voilà. Hop. Hop, voilà. Ok. Du coup, on va continuer. Donc, normalement, on a fini. Une petite comète. La petite comète. Je vais juste voir si on a une autre comète aussi autre part. Tout simplement. Alors je sais pas si on peut voir direct, non. Non, rien à voir. Rien à voir. Okay. Non. Ah oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour aller en bas. Ah ouais, mais c'est beaucoup plus pratique, ouais. Ah bah oui, effectivement. Bon après on peut juste sauter, mais. Ah, bah y'a pas de. Ah, bah y'a pas de comète. Ah, bah c'est pratique pour remonter et tout. Pas mal, pas mal. Bonne invention, j'aime bien. Tac. Let's go. Pour. Oh, trop bien! La boucle océan. Ah, c'est trop bien. Enfin, boucle océan plutôt. Parce que boucle océan. Ça ne veut rien dire. Alors. Dans le sillage de Paolo. De Polo? Paolo, Polo. La boucle océan. Mais Polo, c'est le requin? Polo, le requin? Enfin, pas le requin, l'orque. Enfin, c'est un orque ou c'est. Ouais, voilà. Voilà, c'est Polo. Let's go. Personnage de Mario assez emblématique. Non, en vrai, pas du tout. En vrai, même pas, mais. Mais moi, j'aime bien ce petit Polo. Vas-y, bah, c'est parti, on va lui demander de faire une petite course. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. En vrai, je sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup cette planète parce que j'aime bien les trucs un peu dans l'eau et tout. C'est stylé. T'es qui, toi? Un pote des pingouins? Si tu veux que je vide les lieux, passe à travers les 8 anneaux et je vais envoyer. Que je vais envoyer, ok. Ouais, je sais pas, ouais. Enfin, je sais pas dire. Du coup,
D'accord. C'est bizarre, j'arrivais pas à nager. Enfin, à plonger. Ok. Alors là, là ça rigole. Là ça ne rigole plus. Bon, normalement ça doit pas être très dur. Pas très compliqué en vrai. Que ça m'écrase, mais finalement non. Et le dernier qui va arriver juste ici, c'est parfait. D'accord. Sans aucune transition, l'étoile. Alors qu'est-ce que t'en dis? Aïe. J'aurais juste l'idée. Hey, tu te débrouilles pas mal pour un humain. Bon, tu avais ma parole, ce coin de mer est à vous. Il est sympa quand même pour moi. En vrai, il est sympa. Voilà, du coup, première étoile de la planète. Et on n'a pas encore terminé. Bien évidemment. Ouais, du coup, ça nous fait 72. C'est parfait. C'est parfait. Voulez-vous sauvegarder? Bien sûr. Il y a vraiment un mec qui dit non. Genre non, j'ai pas envie de sauvegarder. Non, non, c'est bon, je... Non, j'ai fait ça pour l'instant. Bon, du coup, on va faire la comète. Parce qu'elle est apparue, donc voilà, on va la faire, sinon on va... Comète d'ombre en chemin. Oh non, c'est pas le truc avec les doubles, là. Oh, là. Ah non, c'est juste... Il y a juste un double, et on doit faire la course avec lui, un truc comme ça. Oh, je vais tellement tricher. Là, je vous le dis direct, je vais tricher, hein. Ah, il y aura de la triche. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je crois que c'est dans le 2, il me semble. Il y a des comètes où, en gros, il y a plein de doubles. Et tu dois pas les croiser. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Mais... Bon, là, pour l'instant... Yes! Let's go. Ah, on va pas recommencer. Et quoi? Bon. Bon, là, franchement, il a vraiment pris de l'avance, donc autant recommencer. Je me suis cogné sur lui, quoi. C'est... Je suis tombé. C'est quoi cette morne? Vas-y, vas-y, on est parti. Let's go. Ah, j'ai un peu pris la barrière. Mais qui est ce Mario maléfique? Telle est la question. Ok, les triches vont commencer. Hein. Ah bah lui aussi il triche en fait. Voilà, évidemment. Bon, ça va, c'était pas dur. Ok, alors du coup, on va continuer sur la planète océan. Voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas plutôt... Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non, bon, on va continuer ici. Y aller. Alors. Course folle avec les pingouins. Ok, ça je m'en rappelle bien. Ça je m'en rappelle très très bien. On va faire une petite course.
Ça va être sympathique. Alors attendez, parce que je crois, mesdames et messieurs. Ah, c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Mais il me semble que là, il est en train de faire des travaux d'un truc, je sais pas quoi, mais voilà. Et il me semble qu'il y a une étoile secrète quelque part ici. Je sais pas, il y a un délire d'étoile secrète. Un canon, ok. Un petit canon. Faut parler au chef. Lui, c'est le chef. Ça se voit que c'est le chef. Alors, attendez. On peut pas faire la... Ouais, voilà. Lui, mon gars. Parfait pour la miniature. Let's go. Ouais, moi, je fais des petites miniatures en pleine vidéo. C'est comme ça. À partir de maintenant, je vais faire des miniatures en pleine vidéo. Du coup... Allez, c'est parti. Bah, c'est parti. Faut vite récupérer la carapace parce qu'ils sont plus rapides que nous. En vrai. Ils sont vraiment plus rapides que nous. Voilà, parfait. Alors. Normalement, ça devrait aller. On est deuxième. Ah, ça me donne envie de jouer avant le cap. Ah, mais ils auraient dû faire un circuit sur cette planète. Sur la carte. Ils auraient tellement dû. Ah ouais, ils auraient tellement dû. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Allez, bon, remanier et tout, hein, voilà. Mais ouais. En tout cas, ça m'a vraiment donné envie de jouer à la carte. Non, non, non. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est vrai qu'on peut faire des gigasauts là. Comme ça. Hop là. Hop là. Un petit boost. Bon, je pense que je suis loin devant. En vrai. Parfait. Minute 19, tu es un champion, tiens, tu as bien mérité cette médaille d'or. Et la médaille d'or, c'est l'étoile. Et oui. Alors, je vais juste me mute 2 secondes parce que je vais me moucher. Voilà, tout simplement. Ok, toujours la malédiction à chaque fois que je tourne une vidéo Mario, j'ai envie de me moucher. C'est, je sais pas pourquoi, c'est relou, mais vraiment. Bref, pourtant, je sais pas. Avant de tourner la vidéo, j'étais tranquille et tout. Je faisais un peu de montage, je regardais des vidéos. J'avais pas envie de me moucher, quoi. C'est terrible, ça. Alors, il y a eu un Luma, mais j'ai même pas vu où est-ce qu'il était. Ah ben là, c'est bon. Hop. Bon, je crois qu'il veut beaucoup plus que ce qu'on a. On va pas se mentir. Mais bon, on va juste voir combien il veut. Alors. 1000. Ah ben ça va. Mais on va faire ça. On va faire le petit Luma et puis après on va s'arrêter là. Comme ça on aura fait plusieurs trucs par-ci par-là et tout. Alors, quelle va être cette planète? Quelle va être? Bref. Tac. Et du coup, on est parti pour rivière de sable. Champignons au choix. What? Ah oui! Oh mais direct... Oh mais attendez... Alors ça sert à rien, parce que regardez. Ça ne sert à rien.
Ça sert à rien, la Kamek disparaît direct. Bon oui, on va la retrouver ici, mais... Franchement, à quoi sert ce mob, hein, sérieux. Bon, je pense en vrai que je vais prendre le fantôme. Parce que déjà, de 1, il va beaucoup plus vite que l'abeille. Et les lumières, c'est plus facile à esquiver que les fantômes. Tout simplement. C'était mon petit choix. Par contre... D'où les fantômes, ils tombent à mon... C'est chelou, les mecs. Enfin, les mecs. Du coup, ouais, quoi que. Maintenant, on est plus sûr. Bref, allez. Oh, c'est trop stylé, ça. What? Attends, c'est par là-bas ou... Ah, ça, j'adore. Ça, j'adore. J'ai juste raté l'étoile, du coup, ça va plus marcher. À partir de maintenant. Bon, ça marche encore. Après, on n'est pas obligé d'avoir l'étoile. Waouh. Ok, ok. On va le refaire, on va le refaire. On va le refaire. Je pensais que c'était de l'autre côté. Ça, c'est trop stylé. Wow. Ça commence à devenir dur, là. Bon, ouais, c'était dur, un peu. Bon. Hop. Parfait. Parfait, parfait. Et bien voilà, on est arrivé à 75 étoiles. Je crois qu'on a récupéré 5 étoiles hein, dans cet épisode. Si je dis pas de bêtises, ou peut-être 4. Je sais plus. Bref. Peut-être 5. Bref. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.